Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur le Let's Play de Resident Evil 4 édition Wii. Sur Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé notre aventure à la recherche de la fille du président des États-Unis. On a fait quelques petites rencontres, on va dire, avec des autochtones qui veulent notre peau. On a également aussi fait la connaissance d'un certain Louis qui était ici enfermé avec nous. D'ailleurs, on a vu aussi une espèce d'homme là qui nous a transmis une sorte de virus, là, on ne sait pas quoi, bref. Et aujourd'hui, on va continuer notre aventure, mais avant ça, souvenez-vous, il y avait aussi un autochtone qui nous a fait un petit coucou à la fenêtre et puis qui nous a demandé de le rejoindre. Donc on va aller le rejoindre immédiatement. Et on va voir ce que cette personne nous veut. J'ai des objets intéressants à vendre, étranger. Étranger, as-tu remarqué qu'il y a des médaillons bleus dans le village ? Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons ou plus. J'ai une arme spéciale que j'aimerais te faire essayer. Ok, mais ça on verra plus tard. Donc, ce personnage-là, en fait, c'est un marchand, hein, tout simplement. Donc, on va pouvoir acheter et faire des petits trucs avec lui. Alors, du coup, on va peut-être commencer par prendre la mallette. Hein, j'ai envie de dire très important dans les Resident Evil. Voilà, au moins comme ça, on va pouvoir vraiment augmenter les stocks. Ensuite, on va prendre la carte au trésor. Voilà, ça peut être utile. Bon, il ne me reste plus que 1100 PZ de ça. Ça ne va pas aller loin. On va peut-être pouvoir vendre des trucs. Notamment, les spinels. Voilà, qui sont là juste pour la revente. Ensuite, on va vendre le pendentif à perles à 10 000. Je vais te l'acheter cher. Et oui, il vaut 10 000. Mais si je l'aurais fait tomber dans l'espèce de puits là que vous avez vu quand je l'ai ramassé, bah, il me l'aurait vendu moins cher. Je crois deux fois moins cher, hein, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, bah, c'est tout pour moi. Est-ce que je peux acheter un truc après ? Je peux acheter le fusil, fusil à pompe c'est un peu cher, le TMP de lance-roquette, fusil lunette, ouais, ça sera vraiment assez utile, hein, le fusil sniper, mais peut-être pas tout de suite. Et est-ce que j'augmente un truc Oh écoutez, je pense qu'on est bien pour l'instant, on va garder un petit peu nos sous, on verra plus tard si on achète des petites conneries ou autre. On verra ça plus tard. Tu ne caches rien derrière? Si. Oh, et d'ailleurs, une herbe rouge, assez pratique. Et des sous-sous, très bien. Allez, enchaînons, enchaînons. Enchaînons, enchaînons. Y'a rien là-dedans, là ? Non. Ok, de toute façon, on peut même pas l'ouvrir. Ouh. Y'en a du monde dans le coin. Tiens, d'ailleurs... On peut pas en tuer un ou deux là? Si on peut. si on peut en tuer un ou deux. D'ailleurs, question con. Est-ce que je peux en tuer de là ou pas? Attendez, on va voir. Je suis curieux, hein. Ouais, je peux le tirer de là lui, mais je vais pas le faire. C'est lui là que je voudrais là. Ok, complètement raté. Bon, je vais pas gâcher 50 balles, hein, je vous le dis. Ouais, je suis tiré dessus là. Bon, ok, allez, c'est bon, ça suffit. On va arrêter les conneries, là, monsieur Top-Top. Putain, on peut même pas lui faire un coup de pied. Oh, vas-y. Putain! Et lui, il vient de se prendre une dynamite dans la tronche, il a rien senti! Non mais! Voilà, ça c'est pour moi, vas-y, recharge. De toute façon, on est bien là, on est bien protégé. C'est bon, plus personne nous en veut, alors on y va.
Allons-y. J'aimerais bien faire des petites shots, mais... Allez. J'adore, et c'est les deux mêmes. Oh la vache! Merci de me donner des sous-sous comme ça gratis, ça fait plaisir. Oh la vache, le headshot! Bon, la dynamite, voilà. Au revoir, merci. Oh. Par contre, j'espère que j'aurai assez de mun, quoi. Putain, mais je lui tire en pleine poire, là. Oh. Bah, dégage, ouais. Alors, grenade, des munes, encore des munes. Des balles, ça m'intéresse. Vas-y, rentre là-dedans, là. Vas-y. Pas des petites choses sympatoches à prendre maintenant? Si, des munes, je prends. Bon, je prends les munes, hein, moi je dis pas non. Oh, messieurs! Je peux pas. Non, je veux! Putain, faut pas y faire un coup de pied? Ah si, voilà! Oh! Qui m'en veut? J'entends. Ah, c'est toi! Par contre, t'as une dynamite dans la main, toi! Ah putain! Ouh! Ouh là là là! Ouh! Il y a rien dans le dos, hein! Ouais. Mais putain! Tu es con! Il est où? Il est là. Bon, tu vas crever! Espèce de con! En charge. J'entends du bruit. Je sais pas vous. Mais moi, j'entends du bruit. Bon, vas-y, monte en haut. Ah, c'est toi. Dégage, ouais. Et ça, je prends. On a obtenu un emblème partie droite. Très bien. C'est tout. Ok, on redescend. On redescend. Vas-y, descend. Hop. Saloperie, va. Il voulait me balancer un truc de l'autre côté. Enfoiros. Ok, encore des balles. Ça, c'est très intéressant. Au niveau balles, on est bien. Là. Encore des balles. Mais moi je dis pas non à des balles. Ensuite, au suivant de ces messieurs. Non. Rien d'autre. Ah oui, il y en avait en bas. D'accord. Monsieur. Merci. J'allais dire, faut mourir maintenant. Par contre, il y en a un. Ouais, il y en a en bas. On peut pas. Attends. Des... On peut pas leur. C'est pas ça que je voulais faire. Je veux. Non, je veux. Non. Voilà, merci. Je voulais prendre une grenade. Merci. Non! C'est pas ça que je voulais faire!
con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est en douille. Je voulais le jeter, le bazar. Oh, mais quelle andouille. On fait quoi? Tiens, on va prendre un œuf de poule, tiens. Voilà. Allez, ça suffit. Ça suffit. Mais non. Lâche-moi. Couillon. Non. Non, 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 non. Je veux que tu recharges, Léon. Enfin. C'est bon? Tout le monde est dead là? Dis-moi que oui. Hein. Punaise! Ah bah tiens! Nerveux jaune, ça m'intéresse grandement. C'est pas fini! Mais vous allez me lâcher! Vas-y, recule. C'est pas fini. C'est pas fini. On a encore. Il arrive. Andouille. T'es même pas mort. Voilà, dégage. Andouille. C'est bon, c'est fini. Je peux plus là. J'en peux plus. Qui vient de me balancer un truc là? Il vient de me balancer quelque chose là. En face. Oh de bordel. Putain, mais tout à l'heure je voulais prendre une grenade et te balancer d'en haut, mais je me suis raté. Je suis quoi de touche en fait. C'est pas grave. C'est vous là! Bien joué, petit con. Bien joué. Bien joué, Andouille. Bien joué. Moi, les petits cons dans ton genre, je les fais tomber. Et ça, je prends. Ok, on a eu la partie gauche. Très bien. Par contre, il y en a un là-haut, là. Il y en a un là-haut qui me regarde, là. Bon, allez, on va quitter cet endroit de malheur, là, parce que c'est bon, hein. D'ailleurs, en parlant d'endroit de malheur, je vais reprendre mon flingue, là. Merci bien. D'ailleurs, avant ça aussi, au niveau de la carte. Ouais, puisque, souvenez-vous, voilà, on a eu des petits trésors, là. Ah, c'est la carte au trésor, justement. Ça va être pratique. Dans la zone suivante, il y a pas mal de trucs. Ok. Clé trésor. Puisqu'on a obtenu, voilà, des petits emblèmes, voilà, qu'il faut combiner, hein, bien sûr. Voilà, pour faire l'emblème hexagonal. Qui va me permettre, justement, d'ouvrir la porte qui se trouve là. Avant ça, je ramasse les petits sous-sous. Voilà, ce qui va me permettre d'ouvrir la porte qui se trouve là. On dirait qu'il est possible d'insérer un objet dans cet orifice hexagonal. Mais c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà. Vous avez utilisé l'emblème hexagonal. Et on va pouvoir avancer. Eh ben dis donc. Je vous jure. Il n'y a rien ici. Surprenant. Là. Oui, là il y a des sous-sous. Je prends les sous-sous. Je prends les chouchous. Là il y a encore un tonneau. Là. Hop. Qui ne contenait rien. Ok. Allez, zone suivante. Messieurs, dames, bonjour. Alors là vous voyez quelque chose de très intéressant. Puisqu'il y a une espèce de masque qui se trouve là-bas. Vas-y, ouvre ça.
Mais tu m'as vu, et alors? Il est pas tout seul, hein. Voilà! Enfin! Mais je vous jure! Allez, récupère-moi tout ce bazar! Vas-y, recharge! Ça vaut mieux! Des balles, je prends. D'accord. Je suis bête, je peux prendre une grenade. Bon, j'espère que cette fois-ci le coup de la grenade elle va marcher. Oh. Non, non, oh non, mais t'es sérieux? Putain, mais t'es sérieux? Bon, bah, c'est prêt, hein, pas de choix. Oh, mais qu'il est bête. D'accord, balance le plus près, Léon, si j'étais toi. Bon, ok, je crois que les grenades servent à rien du tout. Voilà, si c'est bon. Oh, oh, oh. Non, je serai encore pour être touche. Excusez-moi. Tâchez pas mal avec les touches, moi. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de vivant dans cette zone? Ou pas? Ouais, attention par contre, il y a des pièges jaloux partout. Et... comment on faisait déjà quand même ça? Par contre, je sais pas si vous le voyez là derrière, mais il est beau, hein. Voilà, regardez-le derrière là, comment il est beau. Mais... Ah, j'allais dire, je suis dessus quand même là. Attendez, je pouvais le prendre là, non? Putain, je rêve, les balles ont disparu. Putain, mais regardez-le comment il est beau, lui! Regardez-moi ça, comment il est beau! T'es perdu, mon gars! Putain, il arrive même pas à se débloquer, quoi. Franchement, il arrive même pas à se débloquer. Andouille. Mais je t'ai pas vu! Tu sors d'où? Putain, mais il sort d'où, lui? Mais merde! Allez, dégage! Putain. Ah, c'est bon, c'est la fin de la musique. Oh, alléluia! Alléluia, mes frères! Alléluia! Franchement! Franchement, quoi! Oh! T'as une un, ils sortent, tu ne sais même pas d'où! C'est bon, y'a rien ici? Non. Alors, on sort. Oh, je vous jure! Qu'est-ce que. Ah, d'accord, ok, c'est moi qui marche dans l'eau. Je veux dire, je comprends pas là. Voilà, elle est là ma récompense. Un masque élégant. Oh, je vous jure. Ok, une herbe verte, je prends. Et vers derrière, non. Il y a un truc là-bas par contre. Là. Des sous-sous, je prends les sous-sous. Je prends les sous-sous. Bonjour. Personne. On dirait que non. Si. Qu'est-ce que t'as crié, toi? Allez, voilà, va plonger, toi. Va dans l'eau. Je crois qu'il est mort.
Ça, c'est de la bonne poiscaille, ça. Ah, j'ai plus de place. Attends. On va faire un peu de place. Non, je peux déplacer. Voilà, merci. On va faire un petit peu de place. Pour cette grosse poiscaille, là. Ah, merde, il n'y a toujours pas assez de place. Comme ça. Voilà. Tiens, une grenade. Des sous. Vous voyez, il y en a des plus petites poêles. Au pire. Attendez. Bon, je vais pas gâcher toutes mes balles avec ça, hein. Mais voilà, au moins ça, ça permet de recharger sa vie. C'est assez pratique. Bon, j'avoue, j'ai gâché une balle pour ça, mais bon. Vu que des balles, j'en ai plein. Autant pour se priver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aussi ici ça pue. Alors attends. Là. Est-ce que tu peux faire tomber ça là? Voilà. Voilà, une montre à gousser. Donc là c'était le même principe que l'autre bazar. Hein. C'était le même principe. Par contre. Petit corbeau. Oh que 800. Bon d'accord. Bon, je prends, hein, écoutez, ma foi, hein. Ma foi, je dis pas non, hein. Alors, des balles, je prends. Vas-y, d'ailleurs, recharge. Tu peux me casser ça, y a rien dedans. Ok. Par contre, là, je le vois, hein, ce fil-là bien dégueulasse. Au niveau de la carte, on est où, là? Que je regarde un petit peu. Ouais, une save pas loin et après on avance. Ok, donc on peut avancer. Vas-y. Alors j'avoue, ça bave un peu. Hein. Si ça bave de votre côté, ça bave aussi chez moi. Hein, je vous le dis. Une grosse boule de cristal. On dirait qu'elle peut tourner. Dans quel sens vous allez la faire tourner? Voilà. Quelque chose s'est activé. Sans déconner. Oh putain, comment l'énigme, je vous l'ai résolu en deux coups, les gars. C'est énorme. Et on a obtenu la clé de l'insigne. Très bien. Impeccable. Ouais, ça peut s'ouvrir. Ah bah, il y a même des sous-sous à l'intérieur. Moi, je prends les sous-sous. Je prends les sous-sous. Ces livres sont tous écrits en anglais, mais je n'ai pas le temps de les lire. Il a de la poigne ce mec quand même, hein. Alors, fin du chapitre 1-2, bah très bien. Donc 88% de tir, ok, c'est 50 ennemis tués, pardon, 90% de taux de coup but et aucune mort, ça c'est très très bien ça. Parfait, allez, petite sauvegarde. Et on va pouvoir enchaîner avec le chapitre suivant.
get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Bah oui, mais Léon, tu sais très bien qu'ils sont obligés de te laisser en vie. C'est pour faire des autres jeux derrière. Mais ça chute, faut pas le dire. Faut pas le dire. Alors d'où je viens du coup? Faut que je descende? Ouais, je peux descendre. Vas-y. Messieurs, dames, bonjour. Ah, putain, saloperie! Oh, couillon! Ah, t'es en train de pisser, c'est ça? Oh, oh, oh! Je t'ai dérangé! Oh! Ben, ça va, hein? On dirait que les occupants de cette maison mangent comme des êtres normaux. J'ai vu un truc examiner, c'était quoi? C'était encore la table? Ouais, d'accord. Ok. Bon, là, il y a la porte, mais j'ai pas envie de prendre la porte! Oh! Une grenade. Je ne dis pas non à la grenade. Encore des sous-sous. Je prends les sous-sous. On dirait que les résidents mènent une vie normale. Ils lisent même des livres. Bah oui, tu viens de le voir, Léon. Tu peux pas passer dehors, là? Non? Ok. Alors, sortons d'ici. Alors. Messieurs. Alors attends, pour toi, ça va être peupon direct dans la tronche, moi, tu vas voir. Et pour tes copains aussi. Pas de raison. Recharge. Voilà, toi au moins, t'existes plus. Parce qu'il va se lever, ouais. Voilà. Au moins ça, c'est fait. Non, je veux que tu recharges, s'il te plaît. Merci. Et d'ailleurs, on va vite reprendre le flingue. Bon, je commence à manquer de balles, hein. J'ai intérêt à me méfier aussi, hein. Parce que les balles, c'est bien, mais c'est pas illimité non plus, hein. Alors, des sous-sous, je prends. Un rubis. Je prends. Qu'est-ce qui... Couchez. C'est bon. Par contre, il semble avoir entendu quelqu'un derrière. Hein. J'ai rêvé. Attends, je vais faire demi-tour. Ah, il savait bien que j'avais entendu quelqu'un. Hein? Il semblait bien que j'avais entendu quelqu'un. N'est-ce pas, madame? Parfait. Ok, encore des sous-sous, je prends. Oh, une herbe rouge, je prends. Je prends, je prends, je prends. Au niveau de la carte, on est où là? Ouais, d'accord, on est toujours pas dans la zone des trucs. Ok, bah on avance alors. On avance. Ils m'ont vu. Ah, les saloperies, ils m'ont vu. Est-ce que je prends une grenade normale? Ouais, faut essayer. En pleine tronche, quoi. Ah,
c'est pour toi. Putain, raté. Non, putain de con. Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas, voilà, il y en aura pour tout le monde. Pas d'inquiétude, les enfants, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, les gars, il y en aura pour tout le monde. Vous avez retiré le barreau qui bloquait la porte. Maintenant, on entre. Mais quoi encore? Putain, ils m'ont entendu en plus. Oh là. Bon, allez, vu que vous êtes nombreux, allez, je vous refais un petit coup de pompe. Mais pas de chaussures, hein. J'aurais dû avancer un peu plus. Un coup de pompe, il reste... Mais oh! Eh, j'ai foutu un coup de pompe, les gars! Il devrait pas être debout! Et merde! Redonne-moi le flingue. Tout de suite! Oh putain, je me l'ai fait! Oh, je me suis loupé, couillon! Attends, donne-moi le big boss là! Le big boss là! Le big boss! C'est ce big boss! Attends, on peut recharger comme ça normalement aussi, je crois, non? Attends, combiné. On peut pas le faire! On peut pas recharger comme ça! Ouais, bon, si tu veux. Allez, voilà! Allez. Merci, à bientôt. Et en plus, ils sont encore debout. C'est bon? Vous en avez assez eu? Bon, ça va, au moins je récupère mes munes, ça c'est bien. C'est une bonne chose. Parfait. Bon, normalement rien n'est réapparu, hein, puisque c'est la zone dont je suis déjà venu. T'as le premier qui s'approche, il se prend une balle de pompe en pleine tronche. C'était ici. Ouais, c'est ça, la clé de l'insigne. Mais j'ai rien loupé par contre, non. Ok, allons-y. C'est verrouillé, impossible de l'ouvrir. Une sorte de symbole est visible sur la porte. Oui, bah j'ai une clé. Hein. Vous avez utilisé la clé de l'insigne. Parfait. Ok, je vais juste reprendre mon flingue pour recharger. Rien là-dedans. Non, des balles, je prends. Donc là, ici, petite musique douce, tranquille, puisque c'est juste une salle de sauvegarde, hein, tout simplement. Voilà, et là, fin de la musique douce. Par contre, attends, question con. Parce que là-haut, vous voyez une lampe, là. Cette lampe-là, on peut la casser. Tant qu'elle fait tout péter. Mais est-ce qu'il y a... Ah oui, voilà, j'avais la question, est-ce qu'il y a un truc dedans? Oui, il y a bien un truc dedans, on est d'accord. Vas-y, tu peux descendre, Léon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Personne ici. Et ce sous, je prends. Alors attention pour ça, là, parce que là, je tiens pas à me le prendre en pleine tronche, là. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, ça clignote un petit peu partout. Il y en avait un derrière moi, il me semble. Hein. Ok, encore une spinelle. Oui, c'est ça, il y en avait encore un là-bas. Très bien. Allez, on récupère les spinels, ça fera des sous-sous en plus. Ah, et une coiffure élégante, très bien. Recharge, c'est la base. Bah justement, en parlant de revente, voilà l'autre. J'ai des objets intéressants à vendre, étranger. Alors étranger, ça marche avec les médaillons bleus? N'oublie pas que tu dois tirer sur 10 médaillons en plus pour obtenir une arme spéciale.
Ok, j'ai 55 000, c'est pas mal. Est-ce qu'on s'achèterait pas le fusil maintenant? Ah, oh, j'hésite quand même. Je sais pas, ça m'embête d'optimiser maintenant. Je vais peut-être acheter le fusil maintenant, ça peut m'être pratique. On va prendre le fusil. Putain, par contre, j'ai pas de place, hein. Oh. Oh là là. Par contre, ouais, j'ai pas trop de place, j'ai intérêt à me méfier. Vas-y, voilà. Et on va prendre également la lunette. Voilà, il y a de la place en plus. Parfait. Est-ce qu'on peut... Non, pas ici. Ok, c'est pas grave. Non, bah écoutez, c'est bon pour moi. Au niveau de la vente, oui, c'est vrai, je devais vendre des trucs. Notamment les munitions de TMP, là, je vais te les vendre parce que ça m'est pas utile. Et je vais te vendre également. Ouais, donc tout ce qu'il y a à vendre là. La montre à gousset, ça, je vais te la vendre. Les spinels, je te les vends également. Et bon, le reste pour l'instant, je vais garder. Merci mon grand. Allez, on y va. On avance. On y va. Allons-y. Enchaînons. Je regarde mon chrono. Bon, on a 35 minutes. Ça va, on est bien. On est bien, on est bien. Où est-on là sur la carte? Rapidement là. Ah, ça y est, on arrive dans la zone des médaillons bleus. Ok. On arrive dans la zone. Donc là ici, on va essayer de bien regarder pour les médaillons. Un cimetière. Alors moi, quand je vois tous ces corbeaux là, j'ai envie de faire un truc. C'est ça. Je crois que j'en ai réveillé un au passage. Non. J'ai entendu un bruit, hein, donc... Où est-il? Ah, il est là. Crois qu'il n'est pas tout seul. Non, en effet, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Madame. Au revoir, madame. Monsieur. Faut mourir, monsieur. Voilà, faut mourir, monsieur. Très bien. 1100. Il ne donne rien, lui. Oh. Ok, 400. Munitions, je prends. Médaillon. Merci, ça m'en fait 5, il m'en reste 5 pour avoir ma récompense. Les jumeaux doivent être entrés dans cette tombe. Cet insigne est un peu différent. Il varie peut-être en fonction des tombes. Oui, alors attends, avant toute chose, j'aimerais, voilà, péter mes médaillons là. C'est un peu mon objectif là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des munitions de fusil, je prends. Des balles, je prends. Des sous-sous, je prends. Très bien. On enchaîne, on enchaîne. Recharge avant toute chose, voilà, merci. Il y a encore un médaillon là. Ok, ça m'en fait 7, il m'en faut encore 3 pour le marchand. Qui? Tu peux? Voilà, merci. Recharge. Monsieur. Vous pouvez... Voilà, j'attendais l'action du coup de pied là. J'allais dire merde, il vient pas. Oh, franchement. Ok. Je cherche Negan.
Leon, have you reached the church yet? Yeah, sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Mais tu crois que je fais quoi? Toi, t'es bien dans ta salle de contrôle, toi, hein? Oh! Ils sont où le reste des médaillons, là? Ok, il y en a deux en face de moi, et le troisième, il est un peu plus loin, d'accord. Enfin, les trois derniers sont plus loin. Alors, où sont-ils, mes médaillons bleus, là? Là. Tac, ça fait 8. Le 9e, il doit être là dans le coin. De toute façon, au pire, je vais aller chercher les 3 derniers qui sont là-bas. Il m'en reste 3 à choper là-bas. Je vais aller chercher, puis on va peut-être revenir après derrière voir le marchand, peut-être. Madame. Enchanté. Messieurs, voilà. Vous savez bien qu'elle n'était pas morte, elle. Là maintenant, elle l'est. Ok, 9. Et il m'en manque encore là, hein. Bah, il y en a un juste à côté de moi, tiens. Où est-ce qu'il est? Alors, soit il est en dessous. Attendez. Où est-ce qu'il est, mon médaillon là? C'est bon, je l'ai eu, 10, parfait. Très bien. Est-ce qu'on peut retourner voir le marchand ou pas? Parce que si on peut, on va le faire. Comme ça, on va aller chercher notre arme spéciale. Vas-y, on retourne voir le marchand. Si tu peux, bien sûr. Bon, normalement, je pense que tu peux. Oui, il peut. Parfait, vas-y, redescends. J'ai mes médaillons bleus, monsieur le marchand. Est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Welcome. Par contre, ça résonne, hein, le welcome, là. J'ai des objets rares, étranger. Bravo, étranger, je vois que tu as tiré sur un nombre suffisant de médaillons. Comme promis, va acheter ton arme spéciale à l'écran acheté. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas beaucoup d'argent, je t'offre cette arme. Ok, là, le Punisher. Voici l'arme dont je te parle. Parfait. Très bien. On va le prendre. Oui, bon, on va le prendre. On va le prendre. Est-ce que j'optimise un peu, là? Parce que là, je peux... Ouais, si. Bon, on va essayer d'optimiser un peu, tiens. On va peut-être augmenter la puissance de feu du... Ouais, du fusil. La cadence de tir, je peux pas l'augmenter, bien sûr. C'est un sniper. Par contre, est-ce que j'optimise... Ouais, on va augmenter aussi la contenance, tiens. Ok. Bah, c'est bon pour moi. Oui, bah, je reviendrai plus tard, mon cher ami. Allez, on remonte. De toute façon, je pense qu'à la prochaine sauvegarde, on s'arrêtera là, hein, je pense. Parce que pareil, je tiens pas à ce que les épisodes soient trop longs non plus. Allez, on repart direction donc l'église. Et on y va au pas de course, mon chaléon. Au pas de course. Impossible de l'ouvrir. Un orifice circulaire. Peut-être qu'un objet peut y être inséré. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Je sais pas, t'as des grenades, tu peux pas tout faire péter, non? Je sais pas, Léon, mais bon, creuse ta cervelle, non? Alors, c'est où mon objectif? Du coup, c'est là-bas. Pas. Voilà, dézoomer un peu là. Ah oui, c'est ça, la destination, c'est tout au bout. Ok, bon bah on y retourne. En plus, ça c'est très bien parce qu'il y a une sauvegarde pas très loin, donc c'est parfait. Comme ça, on pourra sauvegarder là-bas. Allez, mon chalet, on y va. Et au pas de course. Putain de
serpent. Saloperie de bête, va. Ok, des munes je prends. Fermeture de l'église. En ce qui concerne les deux fugitifs, le plus urgent est de capturer Louis. Le cas de l'agent américain peut attendre. Ce que Louis nous a volé est bien plus important que la fille. Si on ne le récupère pas, la fille ne servira à rien. Nous devons remettre la main dessus pour mener à bien notre projet. Si l'objet tombe entre de mauvaises mains, le sort du monde pourrait être très différent de ceux qu'a envisagé Lord Sadler. Nous devons à tout prix l'empêcher. Quoi qu'il en soit, on ne va pas laisser la fille partir. Pour que l'agent ne puisse pas la délivrer, j'ai verrouillé la porte de l'église où elle est retenue prisonnière. Ceux qui veulent entrer dans l'église doivent obtenir l'autorisation de Lord Sadler. Il y a une clé derrière le lac, mais il ne devrait pas y avoir de risque. Le Del Lago a été réveillé par le Lord et personne ne peut traverser le lac. De plus, notre sang coule dans les veines de l'agent. Tôt ou tard, il sera l'un des nôtres. Après cela, personne d'autre ne viendra au secours de la fille. Ok. Eh ben, ça ne rassure pas tout ça, hein? Hurré! Reste à terre, ombré! Reste à terre! Encore des balles, même si les vents. Bon, moi ça me va, hein, les balles, hein, moi ça me va! Ok. On en est où? Est-ce que je suis proche du. Par contre, je commence à être un petit peu plein dans la manette là. Ouais, la salle de sauvegarde est juste à côté. Parfait. On va pouvoir s'arrêter là. Faites-moi ça. Évidemment, il n'y a rien dedans. Ah, oh, il y avait des corbeaux. Tiens, j'aurais pu faire un petit strike, mais c'est pas très grave. Ah bah attendez, là voilà. Il me reste une grenade. Mais croyez-moi qu'on va l'utiliser, celle-là. Voilà! Un joli coup si vous voulez avoir plein de sous-sous! Voilà, ça c'est un bon moyen d'avoir plein de sous, ça. Ouais, j'avais vu un truc briller là-dedans. Une spinelle, très bien. Encore des sous-sous, très bien. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des munes. Et là-dedans, il n'y a rien. Ok, je crois d'ailleurs c'est là d'où je viens. reprends-moi le flingue, s'il te plaît. On recharge. Elle doit être en bas, la salle de sauvegarde, je pense. Parfait. On va quand même vérifier le coup, mais il me semble que la salle de sauvegarde est... Ouais, c'est ça, elle est juste à côté. Parfait. Vas-y. En plus de ça, il y a même un marchand, dis donc. Vas-y, ouvre. C'est bien là, hein, rassure-moi. Je me gourre pas de chemin. Non, c'est bien là, parfait. Vas-y, tu peux descendre. Ouais, il est là. Il est là, mon pote. Il est là, mon pote. Il est là. J'ai des objets rares, étrangers. Ouais, t'as pas grand chose, quoi. Ouais, t'as pas grand chose de plus. Si on peut augmenter le Punisher, au pire. Fusil, non. Bah, on va augmenter le Punisher dans ces cas-là. Moi, ouais, si, vas-y. Vas-y, augmente la puissance. Et ce sera bon pour l'instant. Et on va vendre aussi ce qu'on a récupéré là, un petit peu. Bah déjà les spinels. Tiens, d'ailleurs, au niveau aussi des objets, j'ai pas regardé. Mais voilà, on a par exemple des masques qu'on peut combiner, je crois. Non? Pas du tout? D'accord, autant pour moi. Bon, on va les garder pour l'instant. J'ai des sous, donc pour l'instant, ça me va très bien. Tant que j'ai des sous, moi, tout va bien. Allez, on va pouvoir faire la sauvegarde et puis on va pouvoir s'arrêter ici, hein, écoutez, ma foi.
on va prendre le slot 3. Et comme ça, on est parfait pour aujourd'hui. Parfait, bah déjà 1h40 de jeu, ma foi, c'est très bien. Moi, j'en suis ravi. Allez, on va s'arrêter plus de là devant le marchand, ma foi, c'est très bien. Voilà, comme ça, il va me tenir compagnie pour la fin de cet épisode. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette deuxième partie sur l'aspect de Resident Evil 4 édition Wii. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, on essaiera de récupérer l'objet circulaire dont nous avons besoin pour entrer dans l'église afin de sauver Ashley. Voilà. Et en attendant, moi je vous dis... à la prochaine tout le monde !